Hello, je suis Steve Mekuja et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous apprends à réaliser des recettes simples et faciles. Nous sommes toujours au Cameroun, toujours au lieu dit briqueterie, qui est un peu le temple de tout ce qui est viande, brochette, viande grillée, viande braisée, soya. Donc aujourd'hui, on va aller voir le monsieur qui est un peu comme la, un peu, pas le doyen, mais un peu la référence quand on parle de soya. Donc il va nous expliquer comment il fait son soya, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez reposer chez vous. Voilà, sans plus tarder, let's go. Ok. Viande de quoi là? Ça c'est la viande de bœuf. De bœuf, ok. Oui. Donc, comment ça se passe? Comment tu prépares ça? Ça là, vous mettez ça au feu. Donc tu achètes la viande de bœuf. C'est quelle partie du bœuf? Le quoi? Le faux filet. Le faux filet. Le faux filet et le poitrine. Ok. Et donc tu fais ça là, donc pas hier, la veille. Oui, ça part, aux États-Unis, la France, partout ça part. Ok. Et tu assaisonnes avec quoi? Le condiment. Je mets le condiment avant de mettre ça au feu. On peut savoir quel condiment? Non, le condiment là, le condiment c'est le condiment. Mais c'est ça, puisque nous on veut faire ça aussi à la maison. Donc on peut dire la question. Je sais qu'il y a le sel, je sais qu'il y a le cuir. Oui. Il y a quoi d'autre? Dans le condiment là, moi je sais qu'on appelle ça le condiment. Non, mettez ça sur la veine avant de mettre ça au feu. Le condiment quand, du soya. Oui. Est-ce qu'on peut trouver ça au marché? Non, quand tu pars à la boutique, tu dis condiment soya, il va en bas de donc, ok, donc le condiment soya, ok, très bien. Donc, tu mets le papier. Tu en bats dans le papier. Oui, tu mets l'huile. Si tu n'as pas mis l'huile, ça va se brûler. Oui. Mais quand tu mets l'huile, ça ne se brûle pas. Donc tu ne mets pas d'eau. Et tu non, mets non, de non, on ne met pas l'eau. Okay. Le papier avec l'eau. Oui. Hein? L'huile, c'est l'huile d'arachide. Là. Oui. Comme ça, voilà. N'importe quelle huile, ça va donner. Quand tu mets l'huile, tu mets la veine, tu en bats. Oui. 2 heures de temps, tu tournes 1 heure de temps, c'est déjà bon. Donc au total, 3 heures de temps. Voilà, 3 heures de temps. Ok. Et donc. Quand je commande là, tu me sers avec les oignons, comme j'ai vu, ou pas d'oignons? Non, quand tu mets les oignons avant d'emballer, ça ne donne pas. Il faut que quand ça cuit, quand tu sers la personne, tu demandes si tu veux les oignons, tu mets. Okay. Si il ne veut pas, okay. Tu laisses. Ok, donc, et tu sers avec, ça c'est quoi? Il y a le piment, il y a le condiment aussi. Ça c'est le piment, c'est le condiment. Oui. Okay. C'est ça qui me semble qui fabrique ça? Non, j'y achète. Ah, j'achète aussi. Oui. Ok. Ok. Moi, ce que j'ai posé mes questions, c'est, en fait, c'est pas très compliqué. Merci. Ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, merci beaucoup. Okay, donc tout le monde peut venir commander. Et vous avez dit aussi, ah, que ça peut se conserver si je suis au Cameroun, si je veux voyager avec ça pour la. Oui. Alors, hein, je peux acheter la veille de mon voyage. Bien sûr. Ok. Ok. Bah, écoutez, merci. On va vous déranger longtemps, il y a beaucoup de clients. On va vous laisser, merci. Et ok, merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, j'ai essayé de demander les secrets. Pas évident d'avoir, mais il nous a quand même dit le plus gros. C'est la viande de bœuf. La veille, la saison avec du sel, du cuivre et les épices de soya que vous pouvez trouver au marché. Il ne veut pas dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais apparemment, si vous dites au marché que vous avez les épices de soya, on va vous servir. Voilà. Emballé dans le papier, vous voulez laisser cuire pendant 3 heures. Donc, chaque face, 2 heures, la première face et 1 heure, la deuxième face, déjà cuit. Ça peut se manger avec du pain, avec plein d'autres choses. Donc,